En tout cas, tu valides ça ou pas? Ce que je préfère, c'est pas votre sens du jeu. Néo, il détestait tellement les légumes quand il était petit. Mais c'était le repas durait des heures. Bah, je me trompe, parce qu'on a même pas de guitare. C'est le principe, Néo, c'est de la guitare. C'est un test de QI aussi, j'ai l'impression, c'est jeu. Hello les garçons. Yo tout le monde. Salut tout le monde. On a un chat avec nous. Comment ça va aujourd'hui? Ça va super. Bien aussi. Oui, on espère que tout le monde va bien. Alors, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? On va faire la dégustation, on va tout manger. Alors, pas que, on va aussi jouer à jus de kids. Voici ce que ça donne de plus près. Donc en fait vous voyez que c'est une petite boîte. Comme ça on peut l'emmener partout pour jouer en famille, que ce soit dans les transports, en vacances, enfin ça prend pas trop de place dans la valise. Il y a toutes les explications au verso. Enfants contre parents, oserez-vous vous faire battre par vos enfants? Je sais pas si ça va nous plaire finalement. À l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on trouve? On a du coup les règles du jeu. Il y a des cartes aussi. Ouais, des cartes, oui, forcément. Et il y a deux tas de cartes. On a deux couleurs différentes. Ouais, il y a deux tas de cartes, effectivement. Alors, les cartes bleues, ce sont les cartes enfants, et les cartes blanches, ce sont les cartes parents. Donc, du coup, on démarre effectivement avec les deux tas de cartes. Le joueur qui a mangé du Nutella en dernier devient le premier maître kid. Bon. Je suis maître kid. Je peux m'amener, hein, mais... Vous pouvez manger maintenant? Oui, vous pouvez manger en même temps pendant que j'explique. Donc, oui, vous l'aurez compris, on accompagne ce test de jeu de cartes d'un goûter gourmand. Vous vous souvenez quand même qu'on joue en même temps, hein, on fait pas que manger. Ils sont déjà tous en train de s'enfiler les gâteaux. Du coup, chérie, tu vas piocher une carte dans un des deux tas et poser la question à ton voisin de gauche. Mais je n'ai pas le voisin de gauche. C'est moi en fait, ton voisin de gauche, qui l'entourne, voilà. Et moi je vais avoir 8 secondes pour répondre à la question. Et pour chronométrer, on peut télécharger l'appli Jus du Kids. Voilà à quoi ressemble l'application. Et donc il y a pile 8 secondes. Du coup, si je donne la bonne réponse, je gagne un point, donc je garderai la carte, ce qui signifiera que j'ai gagné un point. Et ensuite, c'est le joueur à la gauche de papa, donc c'est moi, qui vais devenir maître kid pour poser une question au joueur qui est à ma gauche, donc ça sera soit nous, etc, etc. Le premier qui a marqué 5 points est déclaré vainqueur. Donc je pose une carte. Qu'est-ce que tu préfères dans notre famille? Boum, go. Les sentiments très forts qu'on a entre nous. La relation très forte qu'on a entre nous, pleine d'amour. Bon, papa, est-ce que tu valides ça ou pas? Ce que je préfère, c'est pas votre sens du jeu. C'est le fait que vous soyez de bons joueurs. Hein. Je crois que je valide. Voilà, quand même, là. Bah oui, hein. Ouais. C'est ce qu'il y a de mieux dans notre famille, quand même. Oui. Ça et les donuts. Oui, les donuts. Alors c'est parti. Petit Swanou, t'es prêt? Attention, top chrono. Préfères-tu avoir 3 bras ou 3 jambes et 5, pourquoi? 4, 3 bras. Pourquoi? 2. Parce que tu peux faire plus de trucs plus rapidement. C'est fini. Il a dit tu peux faire plus de trucs plus rapidement. Ouais, c'est 3 jambes, ça se déstabilise. 3 jambes, ça te déstabilise, j'adore. Mais non, t'es stable, bah t'es code. Bon, du coup, est-ce que c'est validé? Ah, c'est toi qui décide, de toute façon. Bah, oui, c'est... Ouais, c'est validé. Oui, tu valides, petit cas. Allez, Swan, c'est à toi de poser une question à ton frère. C'est 3 choses que papa fait mieux que maman. Le montage, la cuisine et le travail. Le travail. Quel travail, quoi? Papa, je sais pas, j'ai oublié. On va discuter. Le montage, oui, je suis d'accord. La cuisine, oui. Ok. J'avoue, je reconnais. Oh non, j'ai envie de dire la conduite. La conduite, le sport, tout. Oui, la conduite. Non, mais la prochaine fois que t'as besoin d'aller quelque part, tu te débrouilles, d'accord? Mais quand, j'ai peur. C'était quoi que je disais au début? Ce que je préfère dans notre famille, c'est les relations entre nous, l'amour, tout ça. Ouais, c'est bien. C'est la victoire. Bon, alors, Swan, du coup, tu valides? Non, quoi? Chacun a ses qualités et ses défauts. Tu me donnes le point, du coup? Ouais, c'est bon. Ok, je vais mettre le but. On en reparle après la vidéo. Donne 3 bonnes raisons de faire plein d'enfants. Oui. Eh bien, vivre les bons moments en famille, avoir plus de temps pour ne pas passer du temps en couple. Bon, bah là... Non, t'as pas le point. Là, bah, t'as pas le point. Ouais, c'est dommage. Donc, chérie, t'as pas de point. Et c'est à toi de poser la question. Ok. Alors, chérie, t'es prête? Oui. Imagine 3 endroits où tu pourrais enfermer tes enfants pour les punir. Entre parenthèses, ne fais pas, hein. Le garage quand ils n'ont pas fait leur devoir de vacances, 2, le grenier 1, et la cave. Elle a réussi. Elle a réussi. Tu as gagné ta carte. Non, je peux manger. Oui. Allez, c'est bon. Swanou, t'es prêt? Ouais. Imagine 3 mensonges à dire à tes parents pour aller voir les copains et les copines.
Là, j'ai un rendez-vous avec ma maîtresse. Est-ce que je peux aller aux toilettes? Je dois aller faire des séances de dédicace. C'est une excuse. C'est nul, ça, comme excuse. Bah, c'est parce que j'ai trouvé un. T'allais faire une séance de dédicace. C'est un peu limite, hein. En plus, comme si t'allais faire des dédicaces tout seul. Bon, ça tient pas la route, Swado. Désolé, tu n'as pas le foie. Allez, zéro. À toi. Citez trois personnages les plus puissants d'Harry Potter. Voldemort, Dumbledore et Harry Potter. Ah, c'est pas mal, ben, si, hein. Est-ce que c'est reçu? Tu me connais? Ouais, il te donne de la carte. Allez, merci, il est dégoûté, en fait. C'est facile, ça. Bon, c'est peut-être une bonne question, hein. Trouve trois façons de redonner le sourire à tes enfants. On va acheter des cadeaux, les emmener à l'attraction et la cuisine à mon repas. Ok, il est fort. Ça va, là, on y est chaud. Ah, là, vas-y, c'est complètement approuvé, il y a même pas de. Je connais par cœur. Ah. Alors, à mon tour. Enfin, je dirais, il y a un souci. Parce que là, on est dans le book défi. Fais un je te tiens par la barbichette avec le joueur à ta gauche, le gagnant marque le point. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nous deux qui rira aura une tapette. C'est sérieux. Il rigole, hein. Tu rigoles là, franchement. Non, il rigole pas. Mais il se marre. Il a du mal. Mais il se marre. Dans des regards, il se marre. T'as perdu. Allez, let's go. J'ai gagné ma carte. Ma carte barbichette. C'est marrant, ce petit bonus là. Cite trois choses que tu détestes manger. Le fromage, les olives et les champignons. Bien. C'est validé. Alors là, c'est validé. Là. Bravo. Efficace. C'est la chose que je déteste le plus. Bravo. Là, c'était du beau travail. C'était amené du cœur. Devine ce qui est le plus lourd à transporter entre 1 kg de plume et 1 kg de plomb. Les deux sont aussi pareils. Sont pareils. Les deux sont aussi pareils. C'est bon, il faut être rapide. Les deux sont équivalents. 1 kg de plomb, Swan. Ouais, moi j'ai dit 1 kg de plomb. Ah oui, c'est mieux. Bah oui, c'est plus lourd 1 kg de plomb. Hein. C'est plus lourd. C'est plus lourd 1 kg de plomb que 1 kg de plume. Il y a plume, ça pèse rien. On te parle d'un kilo, Swan. Peu c'est importe, toujours 1 kg. Bah plus. Oui. Ah d'accord, bah, ok. Oui. Décris la maison de tes rêves en trois mots. Heureuse, grande. T'as perdu. C'est fini. C'est trop difficile. Attends. Moi je dis agréable. Luxueuse et agréable. Il n'était pas agréable. Bon bah du coup t'as perdu quoi. Voilà, allez, à toi de poser la question. J'aurais dû dire, c'est la nôtre. Ouais. Ah ouais. Révèle trois moyens de faire manger son enfant autre que la technique de l'avion. Lui mouliner, lui mélanger quelque chose qu'il aime. C'est fini. Le dessin animé sur téléphone. Ah oui, voilà, soit c'est la technique, mais de toute façon, pour Néo, on n'a jamais réussi. Néo, il détestait tellement les légumes quand il était petit. Mais c'était le repas durait des heures. Et un jour, j'avais bataillé, il avait fini par prendre un petit bout de carotte. Et derrière, pas possible de lui faire manger plus que ça. Hein. Je brosse les dents, hein. Je le mets au lit, le lendemain matin, il avait pas le petit bout de légume qui était resté dans la bouche, il l'avait caché sous sa langue. J'avais brossé les dents, hein. Et il ne l'avait pas mangé. Jamais, je le mangerai. Compris? Du coup, bah j'ai perdu, donc j'ai pas le foie. Non, tu n'as pas de carte. Et c'est à Swan. Aïe, aïe, aïe. Allez. Cite deux choses que tes parents t'interdisent, mais qu'ils font sans cesse. Être sur les écrans pendant plein de temps et manger plein de chips. Et c'est fini. La troisième. Non, deux choses. Oh non, j'ai. C'est bien ça effectivement. Passe pas trop de temps devant l'écran. Mange pas n'importe quoi. Enfin, et franchement, puis, tu arrêtes les écrans, compris? D'accord, tu arrêtes. Ouais, c'est ça. On va changer de sujet, tu veux? Ouais, il a envie. En tout cas, je gagne les cartes. Ouais, c'est bien. Trois cartes pour ça. Allez. C'est trois raisons de manger une limace. C'est bon pour l'instant. Y'a rien, y'a aucune raison. Y'a aucune raison. Bah, c'est si t'as un hérisson pour les limaces. Hein. Et l'autre raison, c'est de faire en sorte que ton jardin soit préservé des limaces. Oui, exactement. T'as perdu. Oh là là. Tu n'as pas marqué ton point. C'était tellement dur, franchement. Cite trois choses que tes enfants t'ont apprises. Bah, pas articulé déjà. Non, c'était déjà ça. Que tout est possible. C'est fini.
mais c'est trop rapide, faut que je réfléchisse. Oh. Moi je t'aurais dit apprendre à jouer à Smash Bros. Apprendre des jeux vidéo. À jouer à Zelda, Smash Bros, apprendre à jouer à Mario Kart, Yoshi Adventure. Même là. Qu'est-ce que t'as appris d'autre? Apprendre à jouer à Metroid. Ils m'ont appris qu'il ne fallait pas avoir d'enfant. Allez, vas-y. Cite trois choses qui ont changé ta vie en bien. Mes enfants, mon mari et YouTube. Ah, là, c'est validé. Bravo. Là, c'est validé. C'est une bonne réponse. Tu as mérité la carte. Merci. Là, pour le coup. Cite trois bêtises à faire en classe. Renverser sa trousse sans faire exprès. Renverser sa gourde sans faire exprès sur mon chien bureau. C'est fini, hein. J'avais cité la troisième. C'est quoi ces trucs nuls? Il y a que 8 secondes, hein. Faut t'appeler, Loulou. Mais c'est quoi ces trucs? C'était les bêtises, c'est ça? Oui, renverser sa gourde et renverser sa trousse. C'est un problème pour toi, c'est pas pour les autres. Mais quand je parle d'une bêtise, genre c'est recopier quelqu'un, faire des blagues en classe et que la prof ça l'énerve. Tricher, voilà. Oui, mais après lui vient de rentrer en 6ème, ouais, toi t'es en première, vous n'avez pas une même historique, hein. Ouais, ouais, les bonnes idées, tu sais. Oui, je vais. Tiens, qui s'habille. Cite tes trois réactions si tu croises un ours dans la forêt. Je hurle, je cours et je me fais manger. C'est pas une réaction, c'est pas une réaction, ça. C'est une conséquence. Alors, Swan, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on lui donne la carte ou pas? Quand tu adores et tu fanes. J'étais sûr qu'il allait pas lui donner. Me connaissant, c'était sûr. Et voilà. T'es le meilleur tifa que j'ai parce que tu es le seul que j'ai. Tu es mon tifa préféré. Si tu ne piques pas ma part de gâteau, j'accepte. Ouais, d'accord. On va voir ce qu'il y a fin de chaîne. Ouais. Bon. Cite trois avantages à être un enfant. Pouvoir jouer tout le temps, pouvoir ne rien avoir à s'occuper et devoir aller à l'école et avoir des vacances. L'école, c'est bon. C'est bon. Tu as plus de vacances quand tu vas à l'école que quand tu travailles. C'est chaud. C'est bon. Oui, c'est bon. Alors, imagine trois métiers que tu ne voudrais pas que ton enfant fasse. Travailler dans les pompes funèbres. Non, après les autres métiers, c'est pas. Ouais, juste ça parce que je trouverais ça hyper triste pour le nos discussions, pour le moral, voilà. Et tout, ouais, globalement. Ça hyper triste. Bah force à ceux qui travaillent là-dedans parce que c'est ouais, vrai que c'est pas facile. Hein. Pas facile hein. Bah après, il n'y a aucun métier qui est mauvais. Bah non, hein. Les autres métiers, s'ils ont envie de faire, ils font quoi. Chaque métier, ça fait une fierté quand même. Mais après, ils feront ce qu'ils voudront. Bon, j'ai pas eu ma carte, mais en même temps, cette question. Hein. Ouais. Pas évidente, c'est vrai, c'est un peu le coup des limaces là. Ouais, c'est ça. Cite trois trucs à manger pire que des escargots. Il y a limaces, il y a cafards et les blattes. Cafards et blattes, c'est pareil. C'est fini. Non, mais quoi? Mais t'as fait un doublon, soit t'as fait un doublon. Mais je savais pas que les blattes, c'était des cafards. Mais c'est une famille en fait. C'est un synonyme en fait. Ouais. Les blattes, c'est une famille. Voilà. Ah, bon, ils savaient pas. Allez, toc, c'est validé. Ah bon? Bah oui. Après, s'il y a deux mots différents, c'est que c'est deux animaux différents. T'as de la chance. Vous avez combien de cartes du coup? 4. Moi j'en ai moi aussi 4. Et toi, Néo? 3. On est nuls, nous, hein. Ouais, ouais. Ouais, du coup, il y a un défi. Du coup, repioche une carte. Si le joueur qui répond se trompe, il doit faire une démonstration d'air guitare. D'air guitare, c'est bon. Ouais. Allez, repioche une carte. Faut pas que je me trompe, parce qu'on a même pas de guitare. C'est le principe, c'est bon, l'air guitare. C'est un test de QI aussi, j'ai l'impression, c'est jeu. J'ai pas de guitare imaginaire. Comment je fais? Choses qu'il faut manger pour grandir plus vite. De la soupe, des carottes et des hamburgers. De quoi? Non mais c'est pas du tout pour grandir. Ouais, bon, alors moi j'avais. C'est typiquement Swan, tout ce qu'on mange te fait grandir. Ouais, tout est bon en fait. Tout est bon, tout est validé, tu me donnes le point. T'aurais été embêté, t'avais pas de guitare. Quoi? Cite trois raisons de croire aux martiens. Aux martiens, on est passé dans la nuit. Il y a des indices en France, dans le monde, et il y a des trucs de forêt volante dans les champs. Stop. Il y a plein d'indices dans cette maison. Du coup, c'est validé ou pas? Alors, je vais être gentil avec papa, je vais le valider pour qu'on soit tous à peu près égalité. Gentil, mais j'ai dit des réponses tout à fait justes. Évidemment, bah oui. Donne trois moments où tu aimerais que le temps s'arrête.
quand on est ensemble, quand on est dans un parc d'attractions et quand je suis dans un bain bien chaud. Et voilà, voilà, je pense que c'est validé. Yeah! Eh, hey, j'ai 5 cartes! Pas mal! Je t'enlève une! T'as gagné? Elle a gagné! Maman, elle sert en première place, mais maintenant c'est à nous. Ah. Allez, on essaye de vous départager. Je suis parti! Mais du coup, vous avez combien de cartes chacun? Moi j'en ai 3. J'en ai 3 et moi j'en ai 4. Et ça se joue entre vous deux. Alors ce que je propose, je pioche une carte, j'interroge Swan, ensuite je pioche une carte, j'interroge Néo, et le premier qui se trompe en fait a perdu. D'accord, ouais. C'est bon pour vous? Ouais. On commence par Swan. Donne 3 raisons de ne pas vouloir de petits frères ou de petites sœurs. Parce que comme ça t'es enfant unique et t'as le contrôle total de la maison. Une raison. Tu peux avoir tous tes jouets pour toi tout seul. 2 raisons. Et au revoir. C'est perdu. Alors, Néo, soit tu réussis cette épreuve et là, tu gagnes, enfin la deuxième place, hein, détends-toi. Toi, tu n'y arrives pas et il faudra recommencer. Cite 3 choses qui font crier maman. Oh, c'est quand je range pas ma chambre, les devoirs et quand j'oublie quelque chose qu'elle m'a demandé. C'est bon. C'est validé. Ça, je sais faire. Il y a 2 variantes à ce jeu. Il y a la variante le vilain petit canard, où là, on peut choisir le joueur à qui on pose la question. C'est pas forcément le voisin de gauche. Oh non. Et il y a la variante à la file indienne. Chaque joueur doit répondre à tour de rôle à la même question sans réutiliser les réponses déjà données. Oh. Le dernier qui réussit marque le point. Est-ce que vous voulez qu'on termine avec la variante à la file indienne? Allez, c'est parti. T'es prêt, Swanou? Oui. C'est parti. Quel nain de Blanche-Neige serais-tu et pourquoi? Mais je vois un peu plus dur. Ok, merci d'être venu. Mais je vois un peu plus dur du tout. Eh ben c'est pas grave, allez Néo. Le feignant parce qu'il dort. Il s'appelle pas feignant. Grumpy parce que je suis grognon et c'est le seul que je connais. Grumpy? Tu t'en sors bien, c'est le nom d'anglais. C'est le seul qui est sur mon pyjama. C'est Grincheux. Grincheux, oui. Bon. Et feignant, il y est pas. Hein. Au revoir. Chérie, attention, c'est ton tour. Joyeux. Oh, et pourquoi? Il existe. Parce que je suis joyeux. Oui. Donc t'en trouves un. Après tu donnes un argument super nul. C'est, voilà, c'est bon. Et moi ce serait Simplet. Parce qu'il s'inquiète de rien. Il est toujours content. Alors comment vous trouvez ce jeu? C'est marrant. On a beaucoup rigolé. On a beaucoup rigolé. On a beaucoup ça, rigolé. En fait franchement, notre rigolade là, ça représente le jeu quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. C'était très marrant. Très cool. Bon, c'est très sympa. Vraiment. Donc on connaissait pas, on nous l'a envoyé pour qu'on le teste. Et c'est très marrant. Franchement c'est une belle surprise. Très drôle. Très marrant, ouais. Il y a beaucoup de cartes un peu ça. Il y en a vraiment beaucoup hein. Ah oui, il y a un peu un moment. Il y a encore plein de lots qu'on a même pas ouvert encore. Donc là on en a pour un moment hein. C'est sûr. Voilà Swan, quel a été ton plus grand dilemme là dans les cartes? Bah le truc de Blanche-Neige, j'étais cette dame. Toi c'était l'avantage des rois des enfants, je c'est pense. Ça, oui. Il y en a pas en fait. Hein. C'est très dur. Hein. Moi c'était l'animage personnellement. Et toi maman? Bah je sais plus. Ouais, j'ai... Bon. Sur quelle question je me suis... Bon il n'y a pas vraiment de souvenir. En tout cas on espère que la vidéo vous aura plu. Pensez au bisous. Pensez au bisous. En gros. Bisous. On vous. Zéro. Bye tout le monde. Bye bye. Bye bye.